Lors de l'ajout d'une ressource ou d'une activité, assurez-vous d'aller voir quel type d'achèvement d'activité est activé par défaut. Ici, pour notre questionnaire, nous choisissons l'option Ne pas afficher l'état d'achèvement. Il s'agit donc d'une activité que l'élève peut compléter, mais sa réalisation ne sera pas comptabilisée dans le rapport d'achèvement d'activité. Il peut être tentant d'activer le suivi d'achèvement pour toutes les ressources que vous déposez dans Moodle. Mais il faut savoir cibler ce pourquoi vous souhaitez réellement avoir un suivi. Autrement, le suivi d'achèvement perd de son utilité. Nous en saurons davantage à ce sujet dans la capsule sur les rapports d'achèvement d'activité. Pour la seconde activité ajoutée, ici une page, c'est l'option Les participants peuvent marquer manuellement cette activité comme terminée qui a été choisie. Dans notre plateforme, c'est d'ailleurs elle qui est présente par défaut. Ainsi, L'apprenant pourra marquer manuellement que l'activité ou la ressource est consultée ou achevée en cliquant sur Marquer comme terminé. Notez que cette fonctionnalité peut aider l'apprenant à garder un suivi de ce qu'il a complété ou consulté. Il faut toutefois résister à la tentation de mettre toutes les ressources avec ce type de suivi d'achèvement, car cela va, comme nous le verrons, nuire au rapport d'achèvement d'activité. Enfin, pour la troisième activité, ici un devoir. C'est l'option ⁇ Afficher l'activité comme terminée dès que les conditions sont remplies ⁇ qui est choisie. Les deux conditions qui ont été activées sont la remise d'un fichier et l'obtention d'une note. Elles apparaissent sous le titre du devoir et lorsque l'élève accède au devoir. Quand ces deux critères seront remplis, l'activité sera automatiquement marquée comme terminée. Notez que les conditions d'achèvement varient selon le type d'activité ou de ressource qui est ajoutée. Nous explorerons ces conditions dans les prochaines capsules.